Allô, SF. Hey, bande de dentistes qui gardent. Comment ça fait pour vous? Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau clip shot. Et je vous préviens aujourd'hui à tous ceux qui veulent du sniper. Franchement, je pense qu'il y a moyen d'être rassasié aujourd'hui. Mais également d'avoir un petit arrière-goût de comment dire, disons que pour manger, en général, le mieux c'est d'avoir des dents. Pourquoi? Parce que si vous voulez un cours de bio, pour la mastication et pour couper les aliments, en général, c'est mieux d'avoir quelque chose de dur et de solide afin justement de traiter le broyage de ces aliments. Bon, en général, ça s'appelle des dents. Je suis pas dentiste. J'ai fait très certainement une très mauvaise description de ce genre de choses. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça va pas tellement être un problème parce que les personnages que vous allez voir en face n'ont plus de dents. Donc, eh ben, aujourd'hui, on va faire un tour très bref, mais très rapide et très concis de l'anatomie humaine, notamment de l'anatomie buccale humaine. Parce que vous allez voir qu'on va frapper dans tous les sens. Et on va en frapper plusieurs. Donc, j'ai envie de dire, on va réviser un petit peu tout ça, et on va commencer dès maintenant. Donc voilà, dans les dents, c'est parti! Et allez, on commence directement, ça va aller très vite en début de game. Il vise au spawn, le premier, le deuxième, et le troisième en deux balles. Ça a été hyper rapide! On va se faire ça au ralenti. Donc vous voyez que le premier, ça va dans les incisives, le deuxième, c'est la prémolaire, et le dernier, ah malheureusement, c'était le thorax. Dommage, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Allez, on poursuit avec Ronan Rich. Donc lui, il voit les mecs en face, il se fait le double fry. Attention, le mec qui passe pour la deuxième incisive supérieure. Et le dernier, boum. Ah ça, c'était peut-être la canine. Je pense que c'était la canine. Un petit dernier? Oh bah, extermination, quelle tuerie, hein. Bah ouais, parce que visiblement, il y a plus de 5 dents dans la bouche. Donc on va quand même se remater ça au ralenti. On voit que le mec, il passe là. Qu'est-ce qu'il fait? On sait pas trop. Mais visiblement, il a eu son coup de dentiste. Et voilà, son petit détartrage, j'ai envie de dire. Hein, et puis ça a fait mal. Voilà, tout ça. Allez, Jam Dandy qui continue, et lui, on va voir que, boum, il fonctionne sans rendez-vous. Sans rendez-vous, bim, direct. Et les deux prochains, boum, pas de rendez-vous, rien, que dalle. On se fait une petite brochette, et je vous prends tous les deux en même temps. On s'en fout de savoir ce qui se passe. Quoi, quand même, c'est un matin sans ralenti, hein, on voit bien que les deux mecs, juste en face, ils s'alignent, et voilà, bim, voilà, il leur fait le détartage contre eux. Voilà, tout simplement, pour la forme. Allez, on poursuit avec Eternal Susano. Donc il a commencé à faire le premier, il s'est dit, ouais, vas-y, je vais le faire dans le dos, mais visiblement, il n'avait pas la bouche dans le dos. Donc du coup, il a fini tout cross. Le double fry, juste après, le mec qui était passé par là, bah, il le fait de la même manière, petit détartrage au calme, alors qu'il savait même pas ce qu'il faisait. Le à la chaîne, extermination, et attention, le mec en face, il essaie de lui faire lui-même un détartrage, mais visiblement, hey, c'est lui qui a gagné, hein, pour la tuerie, GG à toi. Et il s'arrête pas là, il revient pour un dernier clip, il se fait déjà les deux premiers dans les dents, hein. Franchement là ça a rien fait. Le deuxième dans le cul, hein. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment il a pas envie de faire que les dents. Le à la chaîne et le massacre. Ouf, attention, lui il a rien vu, c'est pareil, il a pas vu le jour. Et le dernier qui était avec la petite bombe, il lui a fait la totale, hein, j'ai envie de dire, c'est le dentier complet. Bon, le dernier par contre en face, il s'est un petit peu échappé, hein. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le mec, tu vois, qui a pas envie d'aller chez le dentiste. Il a dit non, non, moi j'y vais pas, je veux pas, j'ai trop peur. Et du coup, bah ouais, c'est rare, mais ça arrive que des fois il y en a qui s'échappent et qui y arrivent. Bon, bah voilà, hein, tout bien, tout honneur, il y est arrivé, hein. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'il nous a offert une petite boucherie, ouais, voilà, franchement, c'est toujours bien pour un dentiste de dire, ouais, j'ai fait une boucherie aujourd'hui. Oh là là, le pauvre type, il a saigné de partout. Ouais, c'est un petit peu comme quand en fait, tu te fais les... comment dire? Quand tu te fais les dents qui sont au fond, là, qui poussent juste après, c'est les... Ah, j'ai plus le nom. Bref, ça, en général, c'est très... Ça fait mal. Et ben là, c'est pareil. Comme quand tu t'en fais sauter une. Et ben c'est pareil. Tu te fais toutes les dents et... les dents de sagesse, voilà, j'ai retrouvé. Quand tu te fais les dents de sagesse, ouloulouloulouloulou, ça fait mal. Et ben là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont un petit peu refait toutes les dents, hein. Mais voilà, franchement, ça a saigné un petit peu. Mais bon, on aime ce genre de bouche qui fait bien plaisir. Et donc voilà, si vous aussi, vous avez des clips, n'hésitez pas à nous les envoyer via le formulaire qui est dans la description. Vous pouvez également regarder les deux dernières vidéos. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine tout le monde.